Bonjour et bienvenue sur Les Deux Crochettes. Alors, avec Gabrielle, aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo croche-couture pour associer donc le tissu couture et le crochet. J'ai réalisé donc une petite tunique. Alors, vous aurez la possibilité, en fait, soit de prendre un t-shirt, une tunique qui existe dans votre placard et qu'il n'y a pas de manches, et vous dites « Oh, ce serait sympa avec des manches ». Donc, on rajoutera les manches et une déco. Donc, là, c'est une petite poche. Vous pourrez en faire deux, hein, si vous voulez. Ou, je vous ferai voir comment reproduire un t-shirt que vous avez dans votre placard sur un tissu que vous aurez acheté ou que vous avez dans un coin et de rajouter les manches et toujours la déco du crochet. Voilà. Donc, vous aurez deux possibilités. Recyclage ou petite création toute facile pour le tissu. Et bien sûr, on n'abandonne pas notre crochet. Donc, une démarche en fait très facile. Je me rapproche, je vous fais voir. Voilà. Donc, facile, mais qui donne toujours son effet. Et au niveau de la poche, vous voyez, ici, c'est une poche, mais qui fait aussi un peu déco. Voilà. Donc, on va voir tout ça ensemble. C'est parti, on y va. Alors, dans cette vidéo, vous allez avoir plusieurs choix. Le but étant quand même de faire des manches et des poches au crochet sur un t-shirt. Mais on va voir le t-shirt, comment et lequel prendre. C'est-à-dire, je vous explique tout. Soit vous prenez un t-shirt, donc, existant que vous avez dans vos placards, que ça fait longtemps que vous n'avez pas mis, parce qu'il est sans manche, voilà, que vous dites, ce serait bien de le relooker. Dans ce cas-là, vous prenez un t-shirt, on rajoutera les manches, des petites poches, pour lui redonner une deuxième vie et le sortir de votre placard. Si toutefois, vous vous dites, ouais, mais le tissu, il est un peu abîmé, j'aimerais bien en faire un autre. Et que le t-shirt, en soi, vous l'aimez beaucoup, je vais vous faire voir juste en quelques étapes comment reproduire le t-shirt à l'identique avec un tissu que vous avez acheté. C'est-à-dire, hein, voilà, moi j'ai pris un autre modèle hein, de t-shirt et je l'ai reproduit avec un tissu gaufré parce que je trouve qu'en été, j'adore le tissu gaufré. Et du coup, vous voyez, j'ai reproduit un t-shirt que j'avais déjà avec un tissu, par contre, que là, j'ai acheté, alors, pas beaucoup, hein, quelques mètres, ou éventuellement, si vous avez du tissu qui dort, vous pouvez reproduire un t-shirt que vous aimez. Donc, soit on fait du recyclage, dans cette vidéo, un t-shirt existant, soit on reproduit un t-shirt que vous avez dans votre placard sur un tissu que vous aimez. Donc, on va voir, en fait, pour les deux. Donc, pour le t-shirt qui existe déjà, recyclage. Bon, là, il n'y a pas besoin de découpe. Vous allez prendre votre t-shirt, vous passez la vidéo rapide et vous allez à l'étape manche et poche. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, pour reproduire un t-shirt, on va le voir de suite. Prenons comme exemple ce t-shirt. J'ai envie de le reproduire, mais en tissu gaufré. Admettons, ou un tissu coloré, plein de fleurs, comme vous voulez. Première chose, alors moi je fonctionne comme ça. Hein. Donc je vous dis comment je fais. J'avais acheté donc du tissu exprès pour les patrons, vous voyez, très fin, de couture. Hein. On achète ça en rouleau. Voilà. Donc, première chose, le mettre sur ce papier. Deuxième chose, alors je le fais avec une main, donc désolé de... ça va pas être... Vous allez plier en deux, voilà, votre t-shirt. Alors, vous allez le plier en deux vraiment impeccable, hein, au millimètre près, voilà, il faut vraiment qu'il soit coupé en deux. Donc, du coup, qu'il est coupé en deux, qu'il est replié en deux, là, vous avez le milieu. Hein. Alors, quand on dit le milieu, c'est, vous voyez, le milieu de votre corps. On est bien d'accord.
Je vous le dis parce que quand on débute un petit peu à la couture, il y a des termes barbares, franchement, il y a des fois. Donc ça, c'est votre milieu. On le voit puisque c'est, il y a le hop, le retour de l'autre côté. Donc quand vous l'avez bien positionné, on prend un stylo et vous allez me faire le contour, hop, de votre t-shirt qui va être plié en deux, tout simplement. Quand ça c'est fait, on retire notre t-shirt. Voilà ce que ça vous donne quand vous avez découpé donc votre papier. On appelle ça donc un patron, hein, si je ne me trompe pas. Quand vous avez découpé votre t-shirt, vous l'avez, voilà, découpé ici, on est bien d'accord. Et il faut que vous mettiez votre marge de couture. Donc la marge de couture est à 1,5 ou 2 suivant, et c'est en parallèle. Et vous refaites un trait à l'intérieur, puisque cette partie-là, c'est là où vous allez le replier et coudre. On est bien d'accord, la marge de couture. Alors comme je vous disais, hein, et je vous le redis, je ne suis pas là pour vous expliquer toute la couture en détail, dans les moindres détails. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour les astuces, les coupes, les machins, les si. Donc il y en a assez. Hein, voilà, puisez dans YouTube. Moi, c'est vraiment les étapes essentielles pour faire ce qu'on va faire. Voilà. Donc, votre moitié, on va dire, hein, votre moitié de t-shirt, maintenant, est sur le papier. On a fait les marges de couture. Maintenant, ce papier, on va le poser sur un tissu. Alors, j'ai pris un tissu très coloré. Hein, c'est un reste. Hein. Pour bien vous faire voir, lui, c'est bien parce qu'on voit bien l'envers et le devant. Voilà. Donc, on met soit envers contre envers, hein, soit le devant contre le devant. Mais dans tous les cas, votre tissu, vous allez, vous voyez, le plier lui aussi en deux. Comme votre t-shirt de tout à l'heure. Et comme votre t-shirt de tout à l'heure, là ici, vous avez les rebords. Et comme votre t-shirt de tout à l'heure, ici, vous avez, vous voyez, le pli. On est bien d'accord. On récupère son papier. Voilà. Quand vous allez mettre votre modèle... Voilà. Quand vous allez mettre votre modèle sur le tissu, rappelez-vous ici, c'était le rebord qui allait de l'autre côté, le milieu de votre t-shirt, le milieu de votre corps. Ici, ça va être aussi le milieu de votre corps. Donc, vous allez mettre votre patron bien le long, vous voyez, le milieu avec le milieu. Là, c'était le rebord. Là, vous avez le rebord puisque vous allez découper. À partir de là, vous allez découper votre tissu en suivant votre patron. Et ça, ça va vous faire le pan de devant. D'accord? Voilà. Moi, pour simplifier, mon devant au niveau du col et l'arrière, le côté dos, est identique. Voilà. Si vous avez un dos qui est différent, il faut que vous refassiez le même processus en faisant les traits par rapport au dos, si admettons il est un peu plus haut. Voilà. Donc vous allez avoir un patron pour le devant et un patron pour le dos du t-shirt. Voilà. Alors moi j'en ai qu'un parce que le devant et le dos est à l'identique. J'espère que vous suivez. Donc à partir de là, si vous avez un patron qui fait le devant et le dos, ben, vous allez découper sur votre tissu comme ça deux fois, parce que vous avez un dos et un devant, donc deux pans. Voilà. Et bien sûr, après les deux pans, on va les rejoindre. J'espère que c'est OK pour vous. Donc on est toujours dans l'étape où on construit son t-shirt, on est bien d'accord. Quand, vous voyez, moi, le devant et le dos, c'est la même encolure. Et... là, donc, vous avez les emmanchures. Donc, maintenant, vous allez faire le rebord, vous voyez en couture ici, là, le rebord de votre col, le rebord de vos encolures,
de vos emmanchures, pardon, excusez-moi. Éventuellement, le rebord en bas. Alors moi, j'ai fait, vous voyez, un petit petite déco avec les ciseaux cranteurs. Ouais. Quand ça c'est fait, ben vous allez rejoindre vos deux pans en faisant bien sûr la couture ici sur le côté et la couture là au niveau de l'épaule, exactement comme au crochet. C'est pareil quand vous construisez un pull avec le crochet, ben la construction du pull en tissu est dans le même principe. Rappelez-vous au crochet, qu'est-ce qu'on fait? On rejoint les deux côtés ici, on rejoint les épaules et après on s'occupe à faire les manches et on s'occupe à faire un joli rebord au niveau du col. C'est le même principe. Ce que vous connaissez au crochet, vous pouvez aussi l'appliquer un petit peu au tissu. Ça peut vous aider puisque vous construisez des t-shirts, des pulls, des gilets au crochet. Donc vous connaissez quand même la base. Donc quand ça c'est fait, et c'est là que tout le monde nous rejoint, ceux qui ont puisé un t-shirt dans le placard ou ceux qui ont construit un t-shirt, là maintenant tout le monde se rejoint, on va faire les manches et on va faire des poches au crochet. Donc soit avec un t-shirt recyclé, soit avec le t-shirt que vous aurez construit. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on s'attaque au crochet. Donc la partie crochet, ça va être, vous voyez là, de faire la continuité en fait de la manche. Alors comme moi, j'ai pas voulu faire une longue manche parce qu'on est en été, j'ai fait une toute petite manche, sachant que il y a ça quand même qui prend déjà l'épaule. Donc à vous de voir la longueur que vous aurez besoin et que vous avez envie. À partir du moment où votre manche va être créée au crochet, vous l'accrocherez à votre t-shirt. Alors, ceux qui ont construit le t-shirt, vous avez fait ici, vous voyez, une première couture pour faire le rebord couture. Et quand on va accrocher la partie crochet, vous voyez, c'est ici. Alors, je zoome beaucoup pour que vous voyez. Voilà. Ça, c'est ma première couture pour rentrer le rebord, pour faire le rebord couture. Et ça, le tout petit ici, c'est l'attache pour le crochet. Donc on va le faire juste à côté. Et visuellement, c'est vraiment propre. On voit deux petites coutures et ça fait très propre. Et ça tient très bien. Donc du coup, quand vous allez laver votre t-shirt, la partie crochet ne se décrochera pas. Puisque c'est vraiment, vous voyez, fait avec la machine. Moi ça j'aime bien parce que quand des fois on fait les coutures à la main, alors moi qui suis pas très douée à la couture à la main, des fois ça peut se décrocher. Ici moi je suis sûre que ça tient. Voilà. Hein? Donc ça, cette partie de couture, il faudra le faire délicatement, avec son temps, tranquillement, hein? Mais ce sera efficace. Donc on va faire les manches ensemble. Alors moi j'ai pris de l'avance un petit peu. Hein? Alors vous pouvez, je préconise quand même d'utiliser du coton. Voilà, c'est quand même plus joli, l'association coton tissu, surtout en été. Voilà, après pour l'hiver on verra ce qu'on fait avec l'acrylique, la laine et autres. Allez, c'est parti pour faire les manches. Alors, pour faire les manches, j'ai utilisé une pelote un quart. Voilà, après pour pour les poches, je pense que ce reste de pelote me suffira largement, hein, puisque je le fais en même temps que vous. Donc c'est du coton mercerisé blanc. Je l'ai pris donc chez Shippy, c'est la Maxi Sugar Rush, c'est 50 grammes 280 mètres et au niveau du crochet c'est 1,25 1,50. moi perso j'ai pris 1,50. Voilà. Donc pour les toutes petites manches que j'ai fait, une pelote un quart. Et comme je vous disais, pour les poches, ça ira très bien. Voilà. Pour la vidéo. Alors attendez, déjà, je vous fais voir la manche. Déjà, voilà. Donc vous avez vu que c'est quand même une chose très simple, mais que je trouve super jolie.
et qui va très bien sur un t-shirt par exemple uni, soft, voilà. Il y a alors la particularité. Alors attendez que je vous fasse voir. Est-ce que voilà. La particularité, tac, c'est que si par exemple vous avez comme moi une manche, une ouverture assez large au niveau du t-shirt, suivant le modèle, si vous avez un t-shirt recyclé et que la largeur est assez grande au niveau de la manchure, il va falloir retrécir en fait sous le bras. Voilà. Parce que, alors, on va en profiter. Là où on fait, vous savez, les trois mailles en l'air, je vous ferai voir la petite astuce pour que ça se voit moins, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc cette partie-là, vous voyez le début, là où on fait les trois mailles en l'air, ce sera sous les bras. Tant qu'à faire, hein, voilà. Du coup, ici, on va faire des diminutions tout le long doucement pour une question comment dire, de confort sous le bras. Voilà. Et on fera aussi une diminution, parce que vous voyez que ça part, vous voyez là, voilà, ça part un peu, ça retrécit un peu la manche. Ça, c'est un choix. Soit vous ferez retrécir la manche, soit vous la laissez droite, si vous la voulez, très large, aérée, parce que c'est l'été, voilà, et que c'est un peu aussi un peu la tendance d'avoir des manches un peu larges. Hein. Donc ça, ce sera à vous de voir, mais je vous dirai comment faire des diminutions. Soit vous les faites, soit vous ne les ferez pas. Voilà. Donc c'est parti pour faire ce côté un peu grillage. Et hyper, quand je vous dis vraiment, c'est hyper facile. Vous allez voir, je ne vais pas vous mentir. Par contre, comme c'est un fil qui est très fin, et que pour les vidéos, c'est pas évident quand c'est trop fin, je vais me permettre, hein, toute seule comme une grande, de prendre, voilà, un simple coton acrylique. Hein, juste pour vous faire voir les points, le montage et les diminutions pour la vidéo. Mais vous, vous prenez du coton et la couleur que vous voulez. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre le maxi sugar, mais moi, je vous préconise quand même du coton. Voilà. Après, vous voyez. Hein? C'est votre création. Allez, on y va. Alors, vous allez créer une maille chaînette. Ce point-là, c'est un multiple de 2. Donc, très facile à faire. Multiple de 2. Donc, quand vous avez fait votre maille chaînette, il faut que ce soit un multiple de 2. Quand vous avez fini, on va fermer. Alors, oui, autre chose. Quand je vous montre, voilà, ce sera là, vous j'arrive. avez votre emmanchure ici. Le but, ça va être de faire une manche qui rentre à l'intérieur, vous voyez, de votre emmanchure. Donc, au niveau dimension, je bouge, au niveau dimension, vous voyez, il faut que votre manche prenne toute votre emmanchure. Donc, cette partie-là doit correspondre à la longueur de cette partie-là, mais à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous allez faire des essais, vous faites à l'intérieur, puisqu'après, on fait la couture ainsi. Hein, voilà, le tissu sur le crochet. Donc, vous allez faire une maille chaînette en fonction ici de votre emmanchure. Moi, vous voyez, elle est très grande, hein, c'est un truc d'été. Donc, j'ai fait une maille chaînette de 200 mailles en l'air. 200. Mais vous allez essayer. Attention, ce point-là, ce côté un peu grillagé, rétrécit un tout petit peu votre ouvrage. Donc, faites attention. Je vous conseille, on va faire les rangs ensemble, hein, mais je vous conseille de faire 1, 2, 3, 4, les 4 premiers rangs, et de réessayer votre manche sur votre t-shirt. Parce que ça rétrécit un tout petit peu. Je sais que ça va être contraignant pour vous. Je sais qu'on aime crocheter d'un seul trait et se dire, ouais, ça y est, c'est fait. Non, là, vous faites 4 rangs. On va faire les rangs ensemble. Hein, les 4 rangs, vous essayez. Si vous voyez que ça fait un peu trop court, ben tant pis, vous démontez et vous me rajoutez des mailles en l'air sur votre maille chaînette jusqu'à trouver la bonne dimension. Hein? Voilà. Donc attention à ça. Donc, je reprends mon fil.
Donc, quand vous avez fait votre maille chaînette correcte, ce que vous avez besoin, vous allez tenir votre crochet comme un marteau pour que votre maille chaînette soit bien droite. Et vous faites coulisser. Hop. Voilà. Vous voyez? Vous faites doucement pour pas que elle vrille, puisqu'on va on va fermer. Et quand vous êtes au bout, vous tenez bien et vous pivotez votre pouce en dessous. Et vous tournez. Et là, vous rentrez dans votre maille chaînette. Je peux vous dire qu'avec cette technique, moi, j'ai jamais eu de maille chaînette qui ont vrillé. Après, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas. Alors, à partir de là, on va faire un hop, la maille coulée. Et on a fermé la maille chaînette pour créer la manche. Allez. Là, vous allez faire... Alors, vous avez à peu près 7 rangs de répétition. Sachant que les 7 rangs de répétition, c'est les 2 brides, 2 rangs de brides et 4 en grillage ou en arcade. Ça dépend de ce que vous voulez comme vocabulaire. Donc, 1, là, il y en a 4. Pourquoi je vous dis 7 ? 4, 5, 6, 6, 6 rangs de répétition. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit 7, mais bon. 4, 5 et 6. Il y a 6 rangs de répétition. Et à partir de là, on monte. Sachant que, je vous donne plein d'infos, je suis désolée. Sachant que quand vous allez faire des diminutions, ça ne se fait que sur les rangs de brides complets. Sur les arcades, on ne touche pas, on ne fait pas de diminution quand on fait les arcades. Ça va être ici, 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 vous voyez, que sur les rangs de brides que vous allez pouvoir faire des diminutions. Voilà. Allez. Donc là, vous faites les 3 mailles en l'air. On fera l'astuce plus tard. Et là, une bride. Dans chaque maille. Voilà. C'est parti. Vous faites le tour. Et quand vous arrivez là, on va voir la petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous avez envie de l'appliquer sur votre ouvrage, bien sûr. Pour qu'on voit moins l'écart des 3 mailles en l'air. Hein? Voilà. Allez, c'est parti. Quand vous êtes à la fin, donc, au lieu de faire, vous savez, à la 3e maille ici, au lieu de faire une maille coulée, vous faites de suite une maille serrée. Et après, vous faites 2 mailles en l'air. Ça évite le grand écart au niveau, vous voyez, voilà. En fait, on ne le voit quasiment pas. Vous voyez, ça peut être l'astuce assez sympa. Il n'y a pas ce creux qui se forme avec les 3 mailles en l'air. Donc, si vous avez envie, vous faites comme ça. Une maille serrée et 2 mailles en l'air. Maintenant, à ce rang-là, on va faire une diminution, comme je vous disais, sous le bras. Donc, autour, ici, devant, enfin, le début et à la fin, on fera des mailles serrées. Des diminutions, pardon, excusez-moi. Donc, suivant la diminution que vous souhaitez faire, vous en faites un peu plus que moi. Ou pas, si vous voulez, une manche droite. On est bien d'accord. Hein? J'essaie de vous donner tous les cas, les cas possibles. Donc là, on en a une. Je fais une diminution, donc mon jeté. Je rentre dans la maille, je ressors, je fais mes 2 premières boucles et je garde. Mon jeté dans la maille suivante, je rentre, je ressors, je fais les 2 premières boucles et j'ai 2 brides sur le crochet. Et là, je fais toutes les boucles. On a fait une diminution. Moi, je suis partie sur 4. 1,
2, 3, 4 brides et je refais une diminution. Voilà. Là maintenant je vais faire que des brides et quand je vais arriver ici, je ferai une diminution, 4 brides, une diminution et je ferme. Voilà. Donc là vous allez tout simplement faire une bride dans chaque maille. Si toutefois vous voulez, comme je vous disais, diminuer un tout petit peu plus, vous rajoutez des diminutions. Hein? Voilà. Allez, donc une bride dans chaque maille, on se retrouve ici pour finir ensemble. Pour finir, on fait donc la même diminution. On fait une diminution. Et 4 brides. Alors, soit moins si vous vous rajoutez une diminution de plus, hein, c'est à vous de voir. Voilà. Hop, il me manque une. Et une diminution. Voilà. Et là, quand vous arrivez ici, vous vous accrochez à la maille, bien sûr, qui est en haut. La fameuse deuxième. Et on fait une maille serrée. Là, c'est considéré comme une bride. Donc, je finis avec les diminutions, excusez-moi. Donc, ici, soit vous faites diminution, deux brides, diminution, deux brides, diminution. C'est à vous de voir ici, la partie diminution, ce que vous avez envie. Vraiment qu'elle se resserre votre manche ou pas. Hein? Ça, c'est vraiment la base et, ça, et diminuer le dessous du bras. Ensuite, la partie donc grillage, arcade. Là, on a fait donc la maille serrée, les deux mailles en l'air, c'est une bride. Vous faites une troisième maille en l'air, c'est une maille de séparation, de saut. Et là, vous sautez une maille, vous allez à la deuxième. Alors faites attention, ici c'est une diminution, donc il n'y a qu'une maille, même si vous voyez deux brides, hein, il n'y a qu'une maille ici. Donc je saute une maille, je vais à la deuxième. Et là, je fais ma bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la suivante et une bride. Voilà. Les arcades, le petit côté grillage, c'est très très facile. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la deuxième. Donc, comme je vous disais, sur la partie vraiment grillage, hein, on ne fait pas de diminution. Allez, c'est parti, vous allez faire ça tout le long, on se rejoint à la fin. On arrive à la fin, je viens de faire une bride, ici il y a une maille, donc impeccable, une maille en l'air, je saute cette maille et je m'accroche, alors attention, je m'accroche ici, là je laisse une maille en l'air, je m'accroche là, je fais ma maille serrée et c'est fait. Donc quand vous faites les diminutions, faites attention que ça reste toujours un multiple de 2 pour que vos arcades se calent bien. Voilà, toujours, hein, pensez-y. Et le début, c'est toujours pareil. On fait 1, 2, ça c'est la bride. Troisième, c'est la maille en l'air. Et on fait la bride là où il y a déjà la bride, une maille en l'air et je vais dans la maille de la bride, tout simplement, très facile. Voilà, voyez. Donc au niveau répétition, c'est ce que je vous disais, donc vous en avez 6. On vient de faire les deux rangs de mailles serrées. Et là, vous allez en faire tout simplement 4. 1, 2, 3, 4. Vous allez répéter les arcades jusqu'à faire comme un effet grillage. Moi, j'appelle ça un effet grillage. Et donc, 4 rangs au total. Et je vous fais voir comment
on refait un rang de bridant. Le deuxième, vous ferez aussi les mêmes diminutions qu'on a fait autour ici. Voilà. Et de là, vous saurez tout faire et vous allez monter, monter jusqu'à la longueur. Et je vous fais voir à un moment donné pour retrécir votre manche. Et pour le coup là, des deux côtés, de partout, les diminutions à faire. Voilà. Après, c'est vraiment à vous de gérer vos diminutions en fonction de la manche que vous voulez. Vous avez les bases des diminutions que je vous aurais fait voir. Ce sera à vous de construire votre manche. Hein? Voilà. Donc, vous me faites 4 arcades au total. On se retrouve dessus. Quand vous avez fini donc les 4 arcades, moi je n'ai fait que 2, hein, mais quand vous avez fini vos 4, hein, le premier rang avec les brides, donc là vous avez fait votre maille serrée. 1, 2, là c'est une bride. Vous rentrez dans l'espace ici et vous faites une bride dans l'espace, une bride dans la maille. Une bride dans l'espace, une bride dans la maille. Voilà. Et ainsi on fait le premier rang de brides complet. Sur ce premier rang, personnellement, je n'ai pas fait de diminution, mais vous pouvez très bien en faire. C'est facile, hein, c'est exactement comme d'habitude. Même si vous là, vous rentrez dans l'espace, hein, vous faites les deux premières, hein, vous rentrez dans la maille, hein, vous faites les deux premières, et après vous faites les trois. C'est faisable, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc, là maintenant, vous savez remplir ce rang-là. Donc, on est ici. Vous avez fait les deux, les quatre, le premier rang avec ou sans diminution. Et là, vous allez refaire encore le même principe. Ici, vous allez faire les diminutions sur le côté, c'est-à-dire comme on a fait le début et la fin, si vous l'avez appliqué. Hein. Et après, vous faites les arcades et vous allez monter. Donc, suivant la longueur de votre manche, vous allez en fait faire un nombre de grilles que vous désirez avec les diminutions ici sur les côtés. D'accord? Voilà, hein, devant le début et l'arrière. Donc ça, c'est OK pour vous. Maintenant, moi, je vais vous faire voir les diminutions pour vraiment diminuer votre manche des deux côtés. Alors c'est très facile, hein. Donc j'espère que là vous avez compris le côté répétition. C'est ce qu'on vient de faire. Vous répétez chaque fois ce qu'on vient de faire avec ou sans les diminutions. Diminution premier rang, diminution au deuxième, ou sans les diminutions, ou sans diminution et une diminution au deuxième rang. Vous avez trois possibilités. Hein? J'espère ne pas vous embrouiller en vous expliquant les trois possibilités, mais au moins que vous ayez le choix et de savoir quoi faire avec votre manche suivant les besoins de chacune. Ensuite, hop, donc vous allez faire ici votre rang complet en bride, voilà, avec ou sans diminution. C'est parti. Donc là, vous avez fait vous. Vos hauteurs. Alors moi personnellement je n'ai fait une diminution qu'à ce rang là, la vraie diminution des deux côtés, d'ailleurs ça se voit, hein, pour retrécir la manche. Vous, suivant la longueur que vous voulez, la vraie diminution de partout, vous pouvez très bien le faire sur plusieurs rangs. Si elle est plus longue que la mienne, vous pouvez faire un rang, un deuxième après les arcades, hein, un deuxième, un troisième. Vous pouvez faire autant de diminutions que vous voulez. Si vous voulez que votre manche, par exemple, soit courte comme ça. Hein? Voilà. Ou aucune diminution si vous voulez qu'elle soit droite. Donc, il faut bien comprendre, et j'insiste là-dessus, c'est pour ça que je me répète. Hein? Vous faites les diminutions, que ce soit ici, que ce soit partout, en fonction de la manche que vous voulez. Maintenant, moi, je vous explique comment faire les diminutions. À vous de les positionner là où vous en avez besoin. Pensez qu'il faut toujours un multiple de 2, quand on fait les grilles.
Donc, ici, admettons, moi je suis arrivée à la fin de ma manche et je veux faire mes diminutions de partout. Donc là, j'ai fait ma première bride. Ici, je fais ma deuxième toute seule. Ma troisième toute seule. Et là, je fais une diminution. Et je repars sur trois brides. Une. Deux. Trois. Et une diminution. Une. Deux. Trois. Et une diminution. D'accord? Voilà. Donc, ces diminutions de partout, ici sur le rang, de partout, vous allez pouvoir le faire autant de rangs que vous voulez, que nécessaire. Hein? Voilà. Donc, nous avons deux styles de diminution. On a les diminutions ici, là, au début et à la fin. Et on a les diminutions tout le long du rang. À vous de doser ce que vous avez besoin si vous retrécissez votre manche. Si elle est droite, vous ne faites aucune diminution. Voilà. Hein? Donc, que ce soit bien clair. Et pensez qu'il faut toujours un multiple de 2. Je me répète, mais c'est important pour pas que ça cafouille à un moment donné. Hein? Donc, vous allez faire vos deux manches. Pensez à tester ce que je vous avais dit tout au début parce que les grilles ont tendance à retrécir un tout petit peu l'ouvrage. Donc quand vous avez atteint bien votre diamètre, c'est bon, on monte. Et vous m'en faites deux et après on passe à la couture. Donc là maintenant vous allez rejoindre votre crochet avec votre tissu. Vous rentrez le crochet, vous voyez, dans la manchure. Ici je vais vous faire revoir, voilà. Comment vous positionnez, c'est-à-dire que votre aiguille est vraiment à la limite. En fait, elle est entre la première couture et le rebord. Voilà. Au niveau du crochet, je vous ai fait faire deux rangs de brides. En fait, votre rebord, ici, là, vous le calez sur votre rang de première bride. Le premier rang, c'est fait exprès pour que le fil ait assez de place pour être cousu dessus. Vous voyez? Voilà. Juste le premier rang. Voilà. D'accord? Donc là, vous posez délicatement et votre aiguille va se mettre vraiment entre la couture et le rebord. Et là, vous y allez doucement, tranquillo ou rapidement, suivant votre dextérité. Et vous faites la couture tout le long. Allez, voilà, c'est votre manche. Elle est cousue maintenant, vous voyez, au niveau couture 1. Voilà. Au niveau, à la fin de la manche, moi, j'ai juste fait un rang. Puisque là, maintenant, visiblement, vous n'avez qu'un rang au niveau visible. Là, j'en ai fait un. Voilà. Mais vous pouvez finir avec les deux rangs, finir qu'avec la grille, comme vous voulez. Hein? Voilà. Donc maintenant que ça c'est fini, on passe donc à la suite. Maintenant nous allons faire les poches. Donc nous allons pour ça utiliser un granit carré, parfait pour faire les poches. Et vous ferez les coutures ici et ici. Voilà, donc ça fera à la fois une décoration et à la fois petite poche. C'est plus de la déco, hein. La poche en soi on n'en utilisera pas. J'ai pris le côté un peu grillagé pour rappeler les manches, mais tout en changeant un petit peu le style. Voilà. Et de plus, le fait que ce soit troué, on voit quand même la couleur du tissu derrière, ce qui peut être sympa. Et aussi un granit pas trop chargé en fil pour pas que ça tire quand même trop sur le tissu. Donc on va faire ça. Alors moi je l'ai fait toujours avec le même coton que les manches, hein. Ça change pas.
Donc vous pouvez garder le même, la même couleur ou le faire en couleur si vous voulez au niveau poche. Moi personnellement, donc j'ai mis une poche, mais vous pouvez très bien mettre deux poches sur votre tunique, t-shirt, suivant vos envies, s'il y a la place et autres. Vous pourrez aussi le faire à la taille que vous désirez au niveau du granny. Alors, personnellement, ici, ce granny avec donc le coton et un crochet de 1,50 mm. Hein. Mon granny, il fait exactement à peu près 3,5. Hein. Voilà, je confirme bien. Voilà, ouais, entre 3 et 3,5 cm. Mais c'est en fonction du t-shirt. Donc vous allez pouvoir faire la taille, petit, moyen, énorme, si vous voulez. Vous verrez, techniquement, c'est très très facile de faire la taille que vous désirez. C'est parti. Vous allez voir, d'une simplicité à tomber par terre. Voilà. Hein? Allez. Donc, pour la vidéo, toujours pareil. Comme pour les manches, comme c'est un fil très fin, j'ai pas envie de vous abîmer les yeux et puis vous allez me maudire. Donc je prends un fil pour juste vous faire voir la construction. Hein? Voilà. Donc on est parti pour faire 8 mailles en l'air. Ça, c'est notre base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous allez à la première maille. Vous allez donc à la première maille à côté du nœud. Vous rentrez et vous faites une maille coulée. Voilà. Et on va se servir du centre ici ou là. Ah, voilà, la netteté est revenue. On va se servir ici du centre pour créer le granit, puisqu'à la base tout est troué et vous voyez que ici il y a aussi un creux. Voilà, à partir de là, vous me faites 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, ensuite 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. 5. Hop, voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Je rentre dans le cercle, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 3 brides. 1, 2 et 3. Hop. Encore 1, 2, 3, 4, 5 et encore 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va refaire une bride juste à côté de là. Voilà. Et on fait une maille coulée, bien sûr, sur la troisième maille en l'air qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc là, ça vous fait. Ne vous inquiétez pas, ça prendra position après. Vous avez 4. 1, 2, 3, 4. J'espère que tout est bon là-dessus. On continue. On repart. 1, 2, 3. C'est une bride. Hein? Je rentre dans la maille suivante. Ici. De la bride. Hein? Voilà. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais à la troisième maille. 1, 2, 3. C'est-à-dire au milieu.
Je rentre, je fais une bride. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je refais une bride dans la même maille. Là, on est en train de créer un angle. Vous voyez, ici. 2 mailles en l'air. Vous allez voir vraiment que pour agrandir, c'est d'une facilité. Là, vous avez 3 brides. On va faire une bride dans chaque maille. Un, deux. Un, deux, trois. Une bride. 5 mailles en l'air. Je reviens dans la même maille. Et une bride. 2 mailles en l'air. Et je recommence. Je fais une bride dans chaque maille. Un, deux. Un, deux, trois. Hop, je rentre. Une bride. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride dans la même main. 2 mailles en l'air. Je refais mes 3 brides. 1. 2. 3. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ma bride. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je refais ma bride dans la même maille. 1, 2. Et là, j'avais fait que 2 brides. Il me reste celle-là à faire. Donc, je rentre dans ma maille. Je fais ma bride. Et la maille coulée. Voilà. Donc, techniquement, vous voyez, le but, c'est de créer, en fait, ici, à chaque fois, un angle. Mais en même temps, on agrandit, on va dire, la ligne droite, cette partie-là. D'accord ? Donc, l'angle ici ne change pas. On crée toujours, en fait, ici, cet angle-là. Mais vous allez voir comment on rajoute. En fait, on suit tout simplement ce qu'il y a sur notre crochet. On va suivre exactement ce qu'il y a. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce que vous allez répéter en suivant tout simplement ce qu'il y a. Je ne peux pas dire mieux. Nos 3 mailles en l'air. Ici, j'ai ma bride. Donc, je rentre dans ma maille. Et je fais ma bride. Là, j'ai 2 mailles en l'air et une bride. Ok, donc je fais pareil. 2 mailles en l'air. Je rentre dans la maille de ma bride. Et je fais une bride. Ce qu'il y a ici, je le reproduis en haut. Là, maintenant, on a déjà travaillé sur cet angle-là. Donc, ce qu'on va faire, on va faire 2 mailles en l'air. On s'accroche à la troisième. 1, 2, 3. On fait une bride. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens dans la même bride et je fais ma bride. Dans la maille, je veux dire. Et là, je viens de créer un angle. Vous voyez? Là, j'ai 2 mailles en l'air, ma bride. Ok. 2 mailles en l'air. Je fais ma bride. Sur la bride, enfin, sur la maille de la bride. Là, j'ai 2 mailles en l'air. Je suis 2 mailles en l'air. Là, j'ai 3 brides. Ok, je fais 3 brides. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Je fais ce qui existe, en fait. Ici, vous voyez, je fais
ce qui existe déjà, mais je rajoute un angle. Quand je rajoute un angle, je rajoute une bride ici. Donc le prochain tour, ce sera mes trois brides, une bride et une bride. Je crée un angle, une bride, mes trois brides, et ainsi de suite. Et chaque fois qu'on crée un angle, on agrandit notre granit, tout simplement. Puisqu'on crée, vous voyez, des brides supplémentaires ici. On va le continuer ensemble, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc, ici, deux mailles en l'air, une bride. Deux mailles en l'air, une bride. Je suis dans mon angle. Donc, je crée ici un autre angle. Ok. Deux mailles en l'air. À la troisième, bien sûr, au milieu. Fait condition que je rentre. Voilà. Je fais ma bride. 1, 2, 3, 4, 5. Je refais une bride dans la même maille. Et là, je viens de créer mon angle. Deux mailles en l'air, une bride. Deux mailles en l'air, une bride. Deux mailles en l'air, trois brides. Ok, deux mailles en l'air. Et je fais mes trois brides. Les trois brides ne bougent jamais. On est bien d'accord. Vous voyez, ils sont ici. Les trois brides ne bougent pas continuellement. Et c'est ça qui agrandit du coup le granit. Les deux mailles en l'air, la bride, je suis dans mon angle, deux mailles en l'air, la bride, les 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je reviens, j'ai fait mon angle. Deux mailles en l'air, une bride. Deux mailles en l'air, les trois brides. Allez. Vous voyez? Vous n'avez pas besoin de mémoriser, vous mémorisez juste la création de l'angle, puisque le reste, on vous le dit dans le rang précédent. On suit exactement ce qu'il y a ici. On rajoute rien, on fait rien de plus. On fait ce qu'il y a sur le rang précédent. Il n'est pas sympa ce granit, hein? Je vous l'avais dit. Voilà. 1, 2, ma bride et mon angle. Mon angle, c'est deux mailles en l'air. Je rentre au milieu. Ma bride. 1, 2, 3, 4, 5. Et on continue. 1, 2. Ma bride, 1, 2, et là, bien sûr, comme c'est le début, ici, il faut que je rajoute ma bride. Et toujours à la troisième maille, en haut, hein, je rentre et je fais ma maille coulée. Et on a agrandi notre granit. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue. Et après, vous pourrez le faire à la taille que vous désirez. Vous voyez, là, si vous vous dites, moi, je veux, je sais pas, moi, par exemple, trois petits granits sur mon t-shirt, ben, dans ce cas-là, vous pouvez très bien vous arrêter à cette taille-là, en fonction de votre fil, bien sûr. Et vous en faites trois. Là, au niveau vidéo, vous avancez jusqu'à la fin pour finaliser, ici, le rebord. Hein, vous voyez, là, qui est plein, et votre granit, il est fait. Donc, vous allez pouvoir faire à la taille vraiment que vous voulez. Petit, moyen, grand, énorme. Et on repart. Trois mailles en l'air. Je fais ma bride qui est là. Et je suis. Donc là, c'est deux brides, deux brides. Deux. Je fais ma bride. 2, je fais ma bride. Vous voyez?
Je n'ai pas besoin de réfléchir. Là, je suis dans mon angle. Ok. Deux mailles en l'air. Je me mets au milieu. Je fais ma bride. 1, 2, 3, 4, 5. Mon autre bride. J'ai fait mon angle. 1, 2. Et là, je suis. Hop. Je fais ce que me dit mon rang. Les deux, vous voyez, je réfléchis même pas. Je fais ce qu'il y a. 1, 2. Voilà. Là, je fais mon angle que maintenant, vous savez faire un par cœur. Voilà, vous voyez, on continue. Donc, et on agrandit. Vous voyez, là, je fais je fais que la moitié. Donc, vous voyez très bien que ça s'agrandit très vite. Bon, surtout avec ce fil-là, en 4 mm, ça va vite. Et j'agrandis à chaque fois. Mais ce qui existe déjà, je ne le touche pas. Voilà. Et du coup, vous allez en fait, à chaque fois, agrandir un angle, agrandir un angle. Voilà. Alors, vous allez, j'étais en train de réfléchir à deux choses en même temps. Vous allez donc faire la taille que vous voulez. J'agrandis, j'agrandis, j'agrandis. En plus, ce granit, il va pouvoir vous servir pour un autre ouvrage, pour faire autre chose. Vous pouvez très bien faire un chemin de table en associant, en faisant, en assemblant les pleins de granit. Vous pouvez faire un chemin de table. Enfin, ça vous fait un granit supplémentaire dans votre registre de granit, dans votre répertoire. D'accord? Donc là, vous allez continuer, continuer, continuer. Je vous fais voir pour maintenant faire le rebord. Facile, hein? C'est un remplissage, mais il y a une petite nuance qu'il faut faire attention. Voilà. Donc, allez, faites un et on fait le rebord. Allez, on remplit. 1, 2, 3. La bride dans la maille. Là, dans l'espace, vous me faites qu'une bride. C'est ça la petite nuance et après l'angle. Donc là, une bride dans la maille. Une bride dans l'espace. Une bride dans la maille, dans l'espace, dans la maille, et là au niveau de l'angle, vous allez faire une bride dans l'espace ici, 1, non, on refait, excusez-moi, excusez-moi, hop, je suis allée trop vite, ici, vous allez me faire une bride toujours dans la troisième maille, dans celle du milieu. Voilà. Là, on part sur les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens dans la même maille. C'est-à-dire que je fais un angle. Voilà. Là, je n'oublie pas, je rajoute ici dans l'espace une bride. Donc, vous voyez que au niveau de l'angle, voilà, ça vous fait ça. Vous avez une bride dans l'espace. Je fais mon angle, une bride dans l'espace. Voilà. Après, j'enchaîne dans la maille, dans l'espace,
dans la maille, et ainsi de suite. Mais on n'en fait qu'un dans l'espace. Voilà. Là, bien sûr, moi je fais mes trois brides. Dans l'espace. Voilà. On va revoir ensemble l'angle. Donc, quand j'ai fini ici, je suis dans l'angle. Je fais une bride dans l'angle, dans l'espace. Je fais une bride dans la troisième maille, toujours. Donc, 1, 2, je regarde où est, voilà, elle est là. Je fais une bride, 1, 2, 3, 4, 5. Je crée mon angle et j'oublie surtout pas, ici, dans cet espace-là, je fais aussi une bride. Hein. Ne me l'oubliez pas. Hein. Et après, la ligne droite, hein, tranquille. Voilà. Donc, vous allez faire ça vraiment à chaque angle. Vous voyez, j'essaye de bien tirer. Dans cet espace-là, il faut me faire un. Une bride, vous faites une bride, un angle, une bride, et après on attaque la ligne. Voilà. Donc, facile, hein? Vous voyez, ça reste droit. Hein? Ouais. On a toujours peur de croire que ça va rétrécir, mais non, ça ne rétrécit pas. Ouais. Donc, quand vous avez fini votre granit, alors vous allez avoir deux choix suivant ce que vous aimez. Avec mon coton, vous avez remarqué que j'ai les petites pointes qui auraient tendance un peu à tourner. Vous voyez, vous avez vu? Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Voilà. Là, vous voyez? Alors moi, je l'ai laissé tel quel parce que je trouve ça joli. Ça fait comme s'il faisait une rotation de lui-même. J'ai trouvé ça très joli. Donc, je l'ai gardé. Vous voyez? J'essaye de ne pas trop mettre mes doigts, mais vous voyez, ça part un peu touc. Voilà. Donc ça, moi, je l'ai gardé. Si vous, vous aimez pas, vous lavez, vous mouillez, vous lavez votre granit et vous faites le blocage, hein, comme on fait régulièrement. J'ai fait une vidéo sur comment faire le blocage d'un ouvrage. Pour un granit, c'est exactement pareil. Hein. On lave, on met à plat. Du coup, ça, vous me le tirez bien. On met des épingles un peu partout. Ou des fois, vous avez des carrés avec les quatre tiges en bois où on met les granits, moi j'en ai pas, mais il y a ça aussi. Donc soit on le bloque, soit on ne le bloque pas, à vous de voir. Vous faites la taille que vous désirez et vous faites une ou deux poches ou plein de petits granits, à vous de voir, pour votre t-shirt. Hein? Voilà. Allez, c'est parti, on granite. Donc maintenant vous allez prendre votre t-shirt. Vous allez le positionner, alors ça dépend si vous avez pris deux, si vous faites deux poches, une seule ou pleine de petits, mais dans tous les cas, vous positionnez. Hop, alors moi je l'ai mis, voilà, un peu de travers, voilà. Et vous allez faire la couture sur les rebords ici, sauf celui-ci, pour laisser le côté poche, hein, pour que ça reste poche. Si maintenant vous voulez pas que ça fasse un effet poche, mais vraiment un effet que déco, vous pouvez très bien coudre les quatre côtés. Et au niveau de la couture sur votre machine, ça va être le même principe que les manches. Vous allez faire votre couture sur le rebord ici, sur le rebord de bride, comme pour les manches. Votre couture, vous la faites sur ce rebord là. Voilà. Donc vous voyez que c'est sympa parce que franchement, on peut faire plein de choses avec ce granit sur votre t-shirt ou même ailleurs. Il va être multifonction. Allez, à votre couture.
Et c'est parti. Et voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo de croche-couture vous a plu. Ça vous fait un petit vêtement encore unique et créé par vos soins, que ce soit du recyclage ou de la création. Si vous avez aimé cette vidéo de croche-couture, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux. Petit coup de pouce pour moi. Vous pouvez me rejoindre également sur Instagram et sur le groupe aussi Facebook dont vous avez les liens sous la vidéo en commentaire. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de croche-couture. Mais en attendant, je vous fais un gros bisou. Mouah.